Tale of America, the only... Terminer cette playlist. Allons à la rencontre de Keola. Né et ayant grandi à Hawaï, il connaît ses terres comme sa poche. Il adore partager la culture, l'histoire et la beauté de son île. Tout d'abord, voyageons vers l'est, entre bords de mer, montagnes époustouflantes et chutes d'eau sauvage. Kirapozo, tu vas t'en souvenir? Rassure-toi, pas besoin de le dire entièrement. Keola suffira. On m'a dit que t'avais besoin d'un guide. Je serais ravi de te raconter une histoire ou deux au passage. Ce serait dommage de pas immortaliser notre voyage, hein? Relax. J'ai demandé au Motorfest de prendre des photos pour toi. Contente-toi de rouler et de kiffer. Design de Svan. Je reconnais le style de Dakain, un artiste de rue locale qui sait transmettre la vibe hawaïenne. Décroche pas ta planche tout de suite. On attrapera les vagues plus tard sur la côte nord. On va se régaler là-bas. En attendant, mate un peu ce paysage. L'île que tu vois là-bas, c'est Molokai. Hawaii Paeina, ou l'archipel d'Hawaï, aurait été tiré vers la surface par le crochet magique de Maui. C'est ce que mes kupuna me racontaient. Tu me crois si tu veux.
le Coconut Resort est juste devant. Un hôtel épique qui a malheureusement été détruit par un ouragan. Les palmiers qui bordent la route, c'est plutôt cool. Ce serait parfait pour la première photo. Nouvelle photo. Hola Opoco. Nan Ikea. Une autre chaîne de montagne. En fait, ça fait partie d'un volcan. Et c'est là qu'on va. Relax. Il dort depuis 2,5 millions d'années maintenant. Ça, c'est le B-side, Kaneohe. Terre riche en ressources de l'ancien temps. C'est assez développé maintenant. Regarde ça, ça donne envie de s'installer, hein ?